Écoutez ce qu'il dit. Listen to what he says. Je mets toute vos connaissances au défi. I challenge all your knowledge. En Corinthiens chapitre 11, Paul va démontrer que la femme tire sa gloire de l'homme, l'homme tire sa gloire de Christ, Christ tire sa gloire de Dieu. Amen. First Corinthians will show that. Et que la femme est une gloire de l'homme. The woman is the glory of the man. Regardez le verset, prenez le verset. Elle n'a en elle-même aucune gloire. She has in herself no glory. La femme est doxa de quelqu'un. The woman is doxa of elle someone. Émane de quelqu'un. She comes from someone. Vous voulez voir le Christ, vous voyez l'homme qu'il a appelé. You want to see the Christ, vous voulez voir the man. Dieu, vous devez voir Christ. If you want to see God, see mais Christ. Quand vous voulez voir un homme de Dieu, il a ses filles. Elles sont la gloire de quelqu'un. They are the glory of someone. Oh yes. Lisez le verset. Take the scripture. Regardez le verset. Take the scripture. Depuis le premier verset. Verset 2. Je veux cependant que vous sachiez. Que vous sachiez. Que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Ce verset ne parle pas de mariage car Dieu n'est pas marié avec Christ. This scripture is not talking about marriage because God is not married to Christ. Et Christ n'est pas marié avec l'homme. And Christ is not married with the man. Chef, head, tête, the head. Dieu est le chef de Christ. God is the head of Christ. Christ est le chef. Christ is the head of the man. Et l'homme est le chef de la femme. The man is the head of the woman. Ce n'est pas un verset qui parle de mariage. This scripture is not talking about marriage. Alors tant qu'elle n'est pas son chef, amen. Since she's not her head, et qu'il y a derrière elle un chef. Behind her, there's a hair. À partir de ce moment, from that time, elle reçoit sa semence. She receives the seed. Elle sera néanmoins sauvée si elle devient mère. She shall be saved if she becomes childbearing. Toute semence est une semence pour engendrer. All seed is a seed to give birth. Je donne ma semence à une femme. I give my seed to a woman. Elle devient ma gloire. She becomes my glory. Et elle opère sous ma gloire. And she opens under my glory. C'est pourquoi Paul continue. Il continue le verset. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Est-ce qu'on parle de mariage là? Are we talking about marriage? On est en train de parler de gloire. We're talking about glories. On est en train de parler de gloire. We're talking about glory. Quand on parle de la gloire de quelqu'un, when we talk about someone's glory, il s'agit de son poids et de son mérite. We're talking amen. About his head and his la work. Gloire d'une personne n'est vue que dans ce qu'il a produit. The amen. Glory of a man is only seen in what he produces. Oh, yes. C'est ce qu'il a produit qui parle de lui. What he produces speaks about him. Donc Paul est en train de dire, so Paul is saying, Christ produit l'homme, Christ produces the et man. Et l'homme est donc la gloire de Christ. The man is the glory of Christ. Mais l'homme produit la femme. The man produces et la femme the woman, devient la gloire de l'homme. And the woman becomes the glory of the man. Verset dit clairement. The scripture says it clearly. Wow. Elle ne peut pas être sa gloire à elle-même. She cannot be her glory mais herself. Elle représente la gloire d'une autorité de qui elle dépend. But she represents the glory of an authority on whom she depends. Donc tout ministère d'une femme qui dépend d'une autorité masculine est valide. Je vous dis que si une femme peut vous montrer son père spirituel, son ministère est valide. A woman that can show you her spiritual father, her ministry is valid.